Bonjour à tous sur Foire FM, en ce lundi 30 janvier, nous accueillons le frérot Cédric Collat d'Univers Sound. Salut à toi et joyeux anniversaire Cédric. Salut la famille, ah ouais, c'est mon anniversaire, et merci la famille, ouais, on fait ça ensemble. Tu nous fais quel âge? La 28 ça va. 28, waouh. J'approche presque des 30, c'est pas bon ça. Merci d'avoir répondu à l'appel de Foire FM. Normal. Nous avons reçu ici même sur ce plateau bien des artistes ayant enregistré leur album chez Univers Sound, ceux du 9e sens, ceux qu'on a ici sur notre étagère, Donti, Simply, Nuno, Mectano, Juliana et bien d'autres que j'oublie, sûrement. On vous salue. Et pour mieux connaître l'entité et le personnage, peux-tu brièvement te présenter, Cédric? Alors moi, c'est Cédric, je viens de Tain, 28 ans, ingénieur du son et compositeur. Cédric, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, peux-tu nous parler de ta passion, ta musique, ton parcours, qui est le tien? Moi, j'ai commencé quand j'étais tout jeune. En fait, depuis tout petit, si tu veux, j'étais bercé dans la musique, tu vois, par ma famille. J'avais un oncle à moi, il faisait que des karaokés à chaque fois en soirée, il était tout chaud, des karaokés et tout. J'avais un cousin à moi, lui, il était DJ. Ouais. Du coup, je l'accompagnais pour des mariages et tout, t'sais, installer le matériel et tout. Moi, je kiffais de ouf, les lumières et tout. Moi, je kiffais à fond, tu vois. Il faisait des châteaux gonflables et tout. Du coup, j'allais souvent avec lui. Après, oui. J'ai des cousins à moi, ils écoutaient forcément le rap à l'ancienne, tu vois, tout ce qui L.I.M., Funky Family et tout. Donc, moi, j'étais à fond dedans, tu vois. J'avais. Après, mon père, il faisait de la musique aussi, tu vois, il était guitariste et tout, dans des groupes de musique, donc souvent le samedi soir, quasiment tout le temps, j'étais dans des balles et tout. Donc là, j'ai regardé, ils installaient le matériel et tout, j'étais avec eux. Et quasiment tout le temps, on allait au magasin de musique, tu vois, mais vraiment tout le temps, tu vois. Du coup, moi, j'étais là, j'étais les synthés, j'étais tout petit, hein. Je crois que j'avais. Tout jeune en fait, tu vois, je commençais déjà à kiffer ça. J'avais des batteries chez moi, des pianos, des trucs, tu vois, je déraillais de ouf, tu vois. Et du coup, après, je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire du son, tu vois. Et commencer, en fait, je voyais les producteurs, tu sais, en mode, tu sais, jouer au piano et tout. Je me suis dit, c'est un délire, ça c'est trop bien, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais me lancer, tu vois. Et vu que mon père était dedans, je me suis dit, vas-y, viens, on essaie de faire un truc, tu vois. Et du coup, il m'a dit, vas-y, chaud, de ouf. Bah, forcément, tu vois, ton père fait de la musique, il voit son fils, tu vois, faire un truc qu'il aime. C'est comme un footballeur qui voit son fils faire du foot, bah, t'es tout content, tu vois. Du coup, on allait au magasin de musique et tout, il m'a acheté un synthé et tout. Du coup, je testais avec ça, tu vois. Après, malheureusement, il est décédé, tu vois. Et depuis ça, ça m'a fait un déclic de fou. J'ai dit, putain, c'est pas normal, ça comprend ça, on fait un truc. Et dans ma vie, m'arrive ça, tu vois. J'étais tout jeune, tu vois. Je devais être en 5e, tu vois. Et j'ai dit, non, j'ai là, faut que je fasse quelque chose. Et je lui ai promis, le jour où il est parti, j'ai dit, je te jure, je réussirai dans la musique et je ferai tout pour tout péter, tu vois. En fait, pour le rendre fier, en fait, tu vois. Sûr, et du coup, à l'heure qu'il est, moi, c'est comme ça que je me bats, en fait. Il doit être fier, ouais. Voilà, c'est ça, tu vois. Et j'essaie de faire en sorte qu'il soit fier, tu vois. Du coup, j'ai avancé comme ça, avec les gens qui venaient et tout. Je faisais même pas payer, tu vois, me payer en paquet de clopes. Des fois, ça ramenait un peu d'alcool, on buvait. On faisait des petites soirées tranquilles au studio. J'apprenais comme ça, en fait, à enregistrer les mecs, tu vois. Et je disais, ouais, les gars, moi, je sais pas mixer en cas où. Hein. Moi, je suis, t'as vu. Et moi, je dis, non, t'inquiète, frérot, c'est au calme, tu vois. D'accord. T'as vraiment grandi dans la musique, tu t'es construit avec, donc ça a été naturel pour toi. Bon, en fait, ouais, c'est ça. J'ai grandi avec ça. Et quand même, je fais que de la musique, en fait, tu vois. Je fais que ça. Moi, c'est rare, tu vas me voir dehors. Tu me vois, je suis au studio tout le temps, tu vois. La création musicale, en fait, ça t'est venu donc vers ces 13-14 ans, quoi. Ouais, quand j'étais jeune, ouais, c'est ça, ouais. Vraiment, j'ai eu le déclic de ouf, tu vois. Quels sont tes diplômes à l'origine? Aucun. À part le brevet des collèges et. C'est déjà ça. Et le bac, encore, ça va tout juste, mais voilà, tu vois, mais je m'en. Même ma mère, elle savait très bien que, vas-y, jamais j'irai travailler normal ou, tu sais, elle a capté que. Elle a même pas cherché à se battre, elle a dit, vas-y, fais ce que t'as à faire, je te fais confiance et trace ton chemin, tu vois. Et là, quelles sont tes perspectives d'avenir? J'en ai beaucoup, hein, franchement. En fait, moi, je suis un gars, j'aime pas rester, tu sais, à faire un truc tout le temps. Faut toujours que je change, tu vois. Faut que ça évolue, tu vois. Faut qu'il y ait du changement, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, là, le studio qui marche encore plus, tu vois, forcément, qui marche encore plus, parce que c'est ma vraie source de revenus, on va dire. Même les prods essaient de, tu sais, de m'expanser un peu, même à l'international et tout, si possible, tu vois, même avec d'autres artistes, d'autres horizons, tu vois. Parce que souvent, on voit sur Jul ou sur du rap, mais en vrai, je suis un gars, je kiffe le zouk, je kiffe même le rock, je kiffe de tout, tu vois. Je peux autant faire une prod R&B qu'une prod trap vénère, tu vois, la charisme. C'est tout, je peux faire de tout, en fait, tu vois. Je suis vraiment ouvert à tout, tu vois. Ça, et pourquoi pas par la suite, ouais, produire des artistes, en fait, ça serait mon objectif, tu vois. Ouais, d'ici quelques temps, je pense, ouais, vraiment producteur, mais pur et dur, tu vois. Pur et dur, ouais. Ouais, plus me concentrer sur moi en tant que compositeur et producteur, en fait, tu vois. D'accord. Donc, pour la 10e fois aussi, tu as été certifié disque d'or avec le dernier album de Jul, La route est longue. Ouais, j'ai eu, à tout là, je suis à 11, ouais, j'ai eu 11 disques d'or et platine en tout avec Jul, ouais. Comment est venue cette genèse, en fait, de cette collaboration? Bah, en fait, si tu veux, forcément, tu sais, avec le temps, je côtoie des gens de Paris, Marseille, un peu partout, tu vois. Et vu que moi, je suis un gars de chill avec tout le monde, tu vois, je me prends pas la tête. Du coup, les gens, ils aiment bien comment je suis avec eux, tu vois, parce que je suis naturel, je me prends pas la tête, tu vois. Et, ouais, voilà, tu es familier, tu es. Ouais, c'est ça, un ami. Je suis un poteau avec eux, tu vois. Et du coup, les gens, ils aiment bien ça, en vrai, dans la musique, en vrai, tu vois.
Et du coup, moi, j'avais un poteau à moi sur Martigues qui connaît Jules, tu vois. Et il a dit, ouais, Jules, ouais, il y a pas moyen que tu fasses rentrer un poteau à moi. J'avais fait des prods, il est pas mal et tout. Vas-y, fais-le rentrer dans ton groupe et voir ce qu'il en est, tu vois. Ils ont dit, vas-y, tranquille. Eux, ils s'en foutent, c'est leur coup, tu vois. Ils aiment pas les prods, ils te les prennent pas, tu vois. Ouais. Donc, du coup, je suis rentré dans le groupe. Du coup, j'ai commencé à envoyer des prods. J'ai bombardé. Hein. Franchement, je suis pas sorti de chez moi, mais j'étais quand même un rat, frère. Hein. J'étais enfermé là que je fais composer. Je crois que j'ai envoyé, je sais pas combien de prods. Hein. Tu vois, et après jusqu'à ce qu'il y ait Makozu qui est arrivé, et après les autres qui ont suivi derrière, en fait, tu vois. D'accord. Donc ça fait plaisir de ouf, tu vois. Quand tu dis, ouais, t'as Jules qui... Tu bosses pour Jules, entre guillemets, c'est un délire de ouf, tu vois. Oui. Justement, toi qui aurais roulé ta bosse, j'aimerais parler avec toi du sample, car nous, dans les années 90, tu sais, quand on a commencé le rap, on n'avait pas du tout d'accès à la MAO, donc on avait nos CD deux titres de où la deuxième chanson était l'instru, ouais, le vrai, maxi ça. 45 en vinyle, ouais, c'est tout ce qu'on avait nous pour pouvoir rapper, quoi, et c'était inconcevable en fait pour mes parents à mes 16 ans d'acheter un ordinateur, c'est tellement inaccessible financièrement. Et en 95, j'avais fait la connaissance de Frédéric Amela, qui lui avait la chance d'avoir un PC et de faire les premiers pas avec des logiciels tels que Goldwave, Cool Edit, Frédéric, Association Cléa, big up à toi. Ouais, c'est un bon. Ouais, et puis plus tard, en 98, il y a eu Hip Hop PJ. Alors je sais pas si t'as connu ça, ça a 30 ans, ouais, c'était en fait de l'assemblage, quoi, simplement. Ils étaient déjà prêts, c'était des banques de sons qu'on mettait l'une à la suite de l'autre, quoi, voilà, tout simplement. Il y a eu Acid Studio, Vegas, voilà. On a commencé avec ça dans les fins des années 90, ouais, c'était ouf, quoi, hein. Bref, tout ça, bientôt 30 ans, on a vieilli, Cédric, et toutes ces années passées à composer, aujourd'hui, on est bien servi, je trouve, par la panoplie de logiciels, de création musicale, tu en penses quoi? Ouais, franchement, ouais, il y a un progrès. Mais même un trop gros progrès, je trouve, tu vois, en vrai de vrai, parce que même t'as même des trucs limite, entre guillemets, t'appuies sur un bouton, ça fait t'as presque plus rien à faire, ouais, je te jure, c'est trop facile. je te jure, là, quand j'ai un oncle à moi, c'était quand dimanche, il a acheté un nouveau synthé, mais de fou, il m'a dit, viens, je te montre et tout. Il appuie sur du bouton, t'as des morceaux à l'ancienne qui se jouaient tout seul, et lui, il pouvait jouer par-dessus et tout, mais tu vois, la sonorité des sons, mais tu vois, les batteries, les guitares, t'as l'impression vraiment, c'est un vrai guitariste qui joue dans le. Alors que c'est virtuel, entre guillemets, tu vois. On parlait des intelligences artificielles maintenant. Ouais, ça par contre, incroyable. Ça, je suis pas trop. Tu vois, c'est un truc qui me bloque, ça, tu vois. Ouais, ça fait peur, et même je trouve, comment on dit avant, tu vois, je suis pas le côté humain en fait, nouveau, tu vois. Parce que la musique, c'est comme tout corps de métier, tu vois, ça se partage avec les gens, enfin, tu vois. Et si tu commences à venir avec des robots, ça y est, tu vois, c'est comme si tu vas au restaurant et t'as un robot, il vient te servir. Moi, oui. je prends le robot, je le casse en deux, je dis, mais ramène-moi quelqu'un qui va me servir. Vraiment, tu vois, côté, je vois, c'est logique, humain, tu vois. Ouais, le côté humain. C'est des technologies qui sont à la fois fascinantes, mais qui en même temps font peur, pour la suite des événements et aussi pour, ben déjà pour les artistes. Il y a des artistes humains qui font des choses, qui se tuent à la tâche. Ouais, c'est et ça. Puis, au final, on a un ordinateur qui va ressortir quelque chose qui n'est pas équivalent encore. Non, peut-être ça pourra le dépasser, mais. L'artiste qui va utiliser que de l'IA, je trouve que c'est débile en fait. Viens, on travaille ensemble, viens, enfin, il y a un contact humain, je trouve que c'est trop. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je travaille beaucoup avec le contact humain, tu vois. Même avec des fois, avec des personnes, si j'ai pas contact humain, je peux pas faire un truc. Tu vois, je le sens pas, je dis non, je sens pas le truc, tu vois. Il faut le contact humain, c'est trop important, et ça commence à communiquer avec des robots pour tout ce qu'il y a à faire, il faut arrêter, ça y est, tu vois. Comme tu le disais d'ailleurs avant, tu es amical, tu es friendly. Il faut kiffer la life, c'est important. On n'a qu'une vie, la vie est trop courte, faut kiffer la vie, tu vois. Faut pas être frustré et tout, faut kiffer. C'est clair. Mais après, ouais, les samples, ouais, c'est sûr, ça évolue de ouf. Hein. Ça évolue. Mais regarde, quand tu regardes comme maintenant, t'as beaucoup de sons à l'ancienne qui reviennent. Tu vois, mais qui sont mis au goût du jour, tu vois. Donc en fait, la musique, c'est là que tu vois que la musique, elle est intemporelle, comment on dit, tu vois. C'est, ah, la musique évolue, tu vois, constamment, en fait. C'est un truc de ouf. Et après, les technologies, c'est sûr que les technologies, c'est un truc de ouf, tu vois. Des fois, moi, je lâche, télécharge des trucs. Je suis, putain, mais la guitare, là, comme elle sonne, on dirait un gars, il était devant moi, il a joué, tout le truc, tu vois. C'est incroyable, c'est un truc de ouf. Hein. Mais c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup évolué, ça a changé de ouf, tu vois, ça a changé de ouf. Mais en vrai, n'importe qui peut se lancer de nos jours, même le logiciel le plus nul, on va dire, du marché, tu fais un truc de ouf déjà, tu vois. Ouais. C'est ça peut être peut-être un tremplin pour après aller vers des créations un petit peu plus personnelles, finalement, ces nouvelles technologies-là. Ouais, tu peux développer même des trucs que toi, forcément, t'arrives pas à forcément faire, tu vois, tout seul, en fait, quoi, tu vois. Fruity Loops, ça a l'air, c'est quand même un outil assez utilisé, assez répandu. Ouais, hein. De ouf. Moi, je sais que j'utilise pour les productions, tu vois, vraiment pour faire les instrus. Après, pour tout ce qui est enregistrement, c'est soit Cubase ou en général Pro Tools, ça dépend, tu vois. Mais ouais, sinon, Fruity Loops, c'est la patate, hein, vraiment. Moi, je kiffe de ouf. Hein. En fait, c'est trop fluide, c'est de la tuerie, tu vois. Après, faut le connaître quand même, hein. C'est comme une usine à gaz, tu vois. Mais comme tout logiciel, mais en vrai, il est trop lourd. Il est trop, trop lourd. Hein. Et tout le monde qui l'utilise, ce truc-là, c'est tombé. Et en plus, pour le prix, ça coûte rien. Ouais. Tu vois, je crois que tu payes 200, 300 balles et tu l'as à vie en plus. Tu l'as les mises à jour gratuites tout le temps et tout. C'est un truc de ouf, ça. T'imagines ? Cédric, on a déjà un petit peu abordé ce sujet et tu en as déjà parlé dans d'autres interviews aussi. Tu dis que tu as enregistré pas mal de rap, mais aussi d'autres styles musicaux. Tu parles notamment de rock, de musique malgache, de classique russe. Tu es donc un peu touche-à-tout dans la musique.
Est-ce qu'il y a un style musical en particulier auquel tu n'as pas encore touché et que tu aimerais bien essayer d'enregistrer? Franchement, en vrai de vrai, ouais, j'en ai fait pas mal des styles. Hein. Franchement, je suis passé de tout. Tu vois, pour même faire du classique russe, faut y aller quand même. Tu vois, c'est que tu vois, je suis allé le ouais dans le monde, mais presque j'ai jamais fait. Tu as fait aussi du métal? Ouais, une fois j'en ai fait du métal, yeah. Ouais, j'en ai déjà fait une fois, ouais. Mais c'est que j'ai jamais fait, je pourrais même pas te dire en vrai, vraiment. C'est vrai, j'ai un peu tout fait en vrai, que je pourrais même pas dire ce que j'ai pas. Je crois en fait, vraiment. Il a pas fait Doom Papa, je pense. Ouais, non, ça j'ai pas fait. Mais ça, ça serait un bon délire, hein. Je te jure, moi je kifferais bien. Ouais, de le faire c'est en fou, version c'est stylé. Hip-hop. Mais même pas en hip-hop, tu crois que c'est possible? Ouais, je pense que c'est possible, il y a moyen possible. De sampler. Hein. Tout est possible. Même tu me fais un vrai papa, moi je suis chaud, je danse avec eux et tout, je suis chaud de ouf, hein. Je te jure, ça serait un bon délire ça. Ouais, ouais. Donc t'es vraiment ouvert à tout et c'est... Ouais, franchement, je fais de tout. En fait, je peux pas rester fermé dans un style. Tu vois, souvent on va me dire, ouais, il fait du tout, que du rap, alors que non, tu fais de tout. Genre, je fais de tout de ouf, tu vois. Mais c'est ça qui fait ta créativité, c'est que tu es très éclectique en fait. Ouais, moi je cherche de tout, après j'écoute pas que du rap, même la plupart des musiques que j'écoute, c'est même pas du rap, limite, ouais, tu vois. Ouais, moi, genre, je suis un grand fan de Phil Collins, tu vois, je kiffe Phil Collins, tu vois, tu es les trucs comme ça, ah oui, de, même de Palma, super. C'est tout, tu vois, c'est à l'ancienne, ah oui, tu vois. Moi, oui. Je kiffe de fou ça. Même si je m'a. C'est ça, je te jure, moi, je kiffe à mort les ça, styles là, tu vois. Les chansons que j'écoutais dans les années 80, ça, j'avais genre, ça même. Ah oui, ça tue ça. Hein. Même Florent Pagny et tout, ça tue. À l'époque, on n'avait pas non plus tous les moyens d'acheter des CD de titres et tout, donc on était là avec la cassette bloquée sur enregistrement et pause. Ouais. Et t'écoutais la radio à l'époque, on avait M40. Et puis dès que t'avais une bonne chanson, t'enlevais pause. Tu sais, t'es enregistré comme ça. T'attendais bêtement que la chanson est finie pour hop, tu remets pause. Et t'avais en fait. Après une cassette avec tous tes sons, quoi. Ah, c'est stylé. Ah, c'était une autre époque. Ouais. Ah, c'était pareil, c'est sûr. Ah non, hein. C'était, ouais. Mais c'était une bonne époque, tu vois, parce que ouais. T'écoutais mieux la musique, alors que maintenant, exactement. Sur Spotify, t'as tous les albums du monde. Pour 10 balles par mois, c'est... Et la musique avait une autre valeur à l'époque, quoi. Ouais. Et donc, oui, cet éclectisme, c'est un gros point fort en tant que compositeur, au final. C'est ce qu'on on parlait un petit peu de ça déjà en off. On disait que ça permettait de s'ouvrir à d'autres genres musicaux, et du coup, ça se ressent dans les compositions. Bah, c'est important, tu vois, que tu peux mélanger, en fait. Parce que tous nos jours, il n'y a plus vraiment de style défini, en vrai. Tu peux tout mélanger, donc en vrai, c'est stylé, tu vois. Bah, moi, je trouve que c'est bien de tout écouter, en vrai. Faut pas rester enfermé dans un style, je trouve que c'est pas bien, tu vois. C'est dommage, parce que la musique, c'est tellement ouais, large. C'est tellement beau, il y a tellement de beaux trucs, je te jure, même du Oompapa, c'est kiffant, on kiffe tout. Je te jure, accordéon surtout. Cédric, qu'on connaît encore beaucoup sous le nom de K2. Hein, ouais, à l'ancienne, ouais. Il y a plein qui m'appelait comme ça encore, je te jure, quand j'étais tout jeune, ouais, plein qui m'appelait comme ça encore. Et c'est resté, hein, c'est un truc de ouf ça. Ouais, c'est resté, beaucoup de gens t'appellent encore. Il y a même des ça. Gens de maintenant qui me disent, mais c'est quoi K2? Je casse pas la tête, les vrais ils savent. Donc, ta carrière à toi, ton ascension dans le domaine de la musique est une preuve qu'on peut percer dans la musique ou même dans d'autres domaines, hein, même en venant de province. Bien sûr. Qu'est-ce que toi tu dirais aux gens, en particulier aux jeunes qui ont ce discours un peu réducteur et limitant, tu sais, ceux qui disent ici il n'y a pas d'avenir, on peut rien faire. Moi, ceux qui me disent ça, je dis que vous êtes des endormis, c'est tout. C'est parce que tu viens d'une province que tu peux pas réussir, tu vois. C'est clair. Ou si tu penses que tu peux pas réussir ici, ben va à Paris, vas-y. Mm-hmm. On verra, ce sera mieux. Mais tu vois que ce sera pire qu'ici encore. C'est des pensées qui sont un peu limitantes et qui sont dommages. En fait, c'est des gens, on dirait, ils se bloquent parce qu'en fait. Tu sais, ils veulent réussir un truc, mais dès qu'ils sentent qu'il y a un petit obstacle, ils disent « Ah non, je le fais pas, j'arrête ». Non, mais oui, c'est que t'es pas déterminé, alors c'est tout. Voilà, c'est peut-être des excuses aussi pour ouais, c'est complaire pour moi, dans, je pense. Dans cette fainéantise. Ouais, pour se dire « Ouais, t'as vu, je peux pas réussir parce que… » Non, dans la vie, tu peux… Même si tu viens d'une campagne profonde, tu peux réussir. Tu vois, je veux dire, moi je me suis toujours donné les moyens, je me suis toujours dit « Je vais tout faire pour y arriver ». Et je me suis donné les moyens, j'ai pris des contacts avec des gens. Des fois, les gens me disent « Mais comment t'as fait ?» Mais comment j'ai fait ? Ben, j'ai travaillé. Sauf que moi, j'allais jamais en boîte. J'allais jamais à la chicha, je sortais jamais quasiment dehors, j'étais que au studio, tu vois, depuis tout jeune, tu vois. Donc je faisais que ça le samedi soir, pendant que mes potes ils kiffaient leur life, ben moi j'étais au studio. Tu vois, je voyais des snaps, ils se couchaient à 5h, moi je me levais limite à 5h pour faire du son, tu vois ce que je veux dire. En fait, j'ai que fait ça toute ma jeunesse, en fait, tu vois. Vous entendez des jeunes ouais. J'ai jamais figé dans la vie. C'est ça, jamais, tu vois. En fait, j'ai pas fait de jeunesse, mais je l'ai fait dans la musique, en fait. Et tout s'obtient par le travail aussi. C'est ça, c'est important, et beaucoup de temps et de sacrifices. Moi, j'ai beaucoup de sacrifices, en fait, ma famille, je la vois pas beaucoup, tu vois. En vrai de vrai, je suis là, je suis focus sur mes trucs et tout, et je les vois, même des messages, j'envoie jamais de message à personne quasiment, tu vois. Les gens ils savent comment je suis parce que je suis focus dans mon truc en fait. Et c'est pas que j'oublie les gens, moi je suis un gars, j'ai un grand cœur. Mais c'est juste que non, c'est que je suis focus sur mes trucs, tu vois. Tu sais faire la part des choses, voilà, entre, vois, entre c'est ton ça. Activité c'est et ça, tu les vois. À côté. Après, je fais des sacrées journées, tu vois, c'est des journées de fou malade, tu vois. Vraiment, d'ailleurs, c'est des, on va en parler. C'est des journées de fou, tu vois. On va en parler un petit peu d'ailleurs. Comment toi tu collabores avec les artistes? Quelle est ta manière de procéder? Est-ce que tu fais forcément la partie instrumentale et l'enregistrement et le mixage, ou alors que c'est des services bien distincts? En vrai, je peux faire de tout, hein. J'ai des artistes qui viennent chez moi, ils prennent des instruments de YouTube ou d'autres compositeurs, tu vois, et ils viennent, ils enregistrent et je mixe. D'autres, je fais que des prises de voix, après ils sont mixés par un pote à eux. D'autres, je fais que du mixage, même à distance, partout dans la France, tu vois. Et, ou d'autres, même, je fais tout le projet de A à Z, tu vois. Donc, c'est vraiment des services bien distincts. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que le client il veut, je lui fais, tu vois. Je vais pas dire, ouais, moi je fais des prods. Non, vas-y, tranquille, tu veux pas de prods, c'est pas grave, tu vois. Après, chacun a son budget aussi, chacun a ses envies, chacun fait comme il veut, quoi, tu vois. Et après, moi, je m'adapte par rapport au projet, puis voilà, tu vois.
D'accord. Et comment ça se passe une session d'enregistrement? Quel est le déroulement du processus de la rencontre de l'artiste jusqu'au résultat final? Bah t'arrives, tu kiffes ta live déjà. Genre les gens qui viennent chez moi, ils disent mais attends, on est trop laid, tu mets trop bien les gens. Tu vois, déjà café, elle vient se mettre, on discute, machin, on parle des projets, on nous invite tous les jours en vrai, tu vois. Première étape, se détendre. Ouais, direct. Tu vois, des fois, ils arrivent sans stresser, tu vois, tranquille. Hein. Des fois, il y a des mamans qui venaient et tout, genre parlaient comme si c'était des poteaux, tu vois. Mais ça, ils kiffent les gens parce que moi, ça les met à l'aise, tu vois. C'était là, tu dis bonjour, faut que tu poses comme ça. Mais non, c'est bon, tranquille, tu vois. C'est la musique, on kiffe, tu vois. Mais en vrai, les gens ils viennent, ils posent leurs trucs. Moi je les aide à. Même si des fois, parce que des fois il y a des jeunes qui viennent, ils sortent des fois des textes de fou. Je dis, change plutôt la phrase là dans le sens là, parce que les gens ils vont l'interpréter un peu différemment. Genre, du coup, j'aide les gens à fond dans les projets, tu vois. Genre, même que ce soit des, entre guillemets, des petits ou des gros projets, je vais être pareil, tu vois. Genre, je vais autant travailler bien que pour Jules ou d'autres artistes comme pour des gars d'ici en fait, quoi, tu vois, parce qu'il n'y a pas de différence pour moi, tu vois, ça reste c'est de la musique, on kiffe tous. Et c'est parce qu'un il est plus connu qu'il faut, entre guillemets, le favoriser. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est, moi je suis comme ça, tu vois. Et ben ça donne vraiment envie de venir enregistrer chez toi. Tu poses la petite 16 là, à l'ancienne. D'ailleurs, comment on fait pour te contacter si on veut faire appel à tes services? Bon, c'est sur les réseaux, hein, sur Facebook c'est Cédric Cola, quoi. Et sur Snap c'est univers.sound et Instagram aussi univers.sound, ouais. D'accord. Mais je suis plus sur Instagram que Snap, je crois pas trop, tu vois, c'est pas trop bon. Donc on affichera tous les liens dans la vidéo et dans la description. Donc oui, je rappelle aux auditeurs, hein, donc le studio Universound se trouve à Eutin, géré par Cédric, plusieurs fois reconnu pour son travail et son talent. Vous avez la possibilité de le contacter si vous le souhaitez une prestation, les liens seront affichés à la fin de la vidéo. Merci Cédric d'être venu sur notre plateau, j'ai eu un grand plaisir à partager ce moment avec toi. On espère te revoir bientôt avec de nouveaux artistes et des récompenses. Ah, ça serait beau. Bref, on va trouver des excuses pour que tu reviennes nous voir. Avec plaisir. Merci aux auditeurs d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez et likez cette vidéo, c'est bon pour flatter l'algorithme de YouTube. Et pour me flatter moi. Voilà, on vous dit à très vite pour un nouveau podcast. Ciao tout le monde.